Sans se presser, il nettoya et fourbit son arme avant de la remettre dans son étui. C'était avec ça qu'il tuerait. Et il y avait certes d'autres moyens, et même d'autres armes plus modernes, plus précises. Il ne l'ignorait pas. Dans sa maison de la rue Louganesse, il collectionnait de puissants fusils à viseur télescopique, très fiables. Et pourtant, il préférait son vieux Luger. Non qu'il ignorât les avantages des autres armes, mais il les détestait justement parce qu'il les connaissait. Il refusait les armes qui tuent toutes seules. Rien ni personne ne devait lui enlever la merveilleuse sensation d'être l'artisan de la mort qu'il infligeait. Maman est morte, papa a coupé sa tête.
On lit vraiment n'importe quoi là-dedans. Ah, les belles affaires. Pourtant, vous vous souvenez, Los Angeles, 58. Elle avait bien de la chance, Rosemary, hein. Tout semblait lui sourire, très belle, très riche, elle. Foguée de cocktails en bridge, de dîner en bal avec la grâce d'une princesse. Ajoutez à cela une nuée d'admirateurs, un mari effacé et un amant fougueux. Vous pouvez s'estimer comblé. Pas une ombre au tableau. Même sa mort était restée dans la note. Mondaine jusqu'au bout, Rosemary s'était écroulée dans un restaurant de luxe, une flûte de champagne à la main, pendant que l'orchestre jouait. Voilà qui ne manquait pas de panache, même si le cyanure gâta peu le teint. La haine au cœur. Hé, Paris, le sentier est un beau quartier, non? On y rencontre des stylistes, des commerçants et des putains à tous les coins de rue. Et même parfois un tueur qui aime, qui adore la mode et qui la coupe, la façonne au ciseau électrique ou au rasoir. Bienvenue au salon du prêt-à-saigner. Pierre? Oui? Tu vas venir un instant? T'as acheté un œil au dossier de la conférence de Londres? Généalogie du crime et enfer de l'enquête. Oh. Allocution de bienvenue, monsieur Sherlock Holmes. Hommage à madame Christie, monsieur Philippe Marlowe, et entre autres débats des assassins. Et des hommes. Merci.
Pas mal, hein, beau programme. Et puis surtout du beau linge, un joli coup d'Interpol. T'as vu? Tiens, par exemple, Adamsberg. Tu connais, hein, très fort. Un tantinet caractériel, il part vite, il revient tard. Et puis s'il a l'air de faire la gueule, tu laisses tomber, tu t'adresses à Danglars, il est jamais très loin. Je sais, ouais, j'ai entendu parler. Beck, tu connais? Ouais. Inspecteur Beck. Merci. Il vient de Stockholm. C'est le policier qui rit. Une sorte de Maigret revisité par Bergman. On est loin des Américains à la Wheeler. Al Wheeler, tu connais? Car elle a Steve. Steve et Terry, sa femme, elle est sourde. Lui, c'est l'inspecteur au paradis des ratés. Carvalho, espagnol, plutôt barcelonais. Des Ramblas à Bangkok. Un vrai gourmet. Montalbano, italien? Surtout bon vivant devant les morts. Une patience d'araignée. Comme le suivant d'ailleurs. Montal, Fabio, Montal. Montale, Fabio, Marseillais. Wow, Marseillais, monsieur, avec l'accent. Montale. Voici. Comme Chen d'ailleurs, c'est un Marseillais aussi. Voyage ouais, chinois du Sud. Ouais. Police criminelle de Shanghai, Chen Kao, flic et poète. Mm-hmm. Oh, Svensson. Lui aussi, l'empire du milieu, au Grand Nord. Erlandur. Erlandur. Svensson. Islandais, un peu le genre l'enquête, plutôt la voix qui venait du froid, tu sais, une personnalité de merde, carrément. Mais excellent enquêteur et grand sociologue. Tiens, Vielgeux. Ça fleure le Besson, hein, un nom bien de chez nous. Commissaire Vielgeux, toujours sur la brèche, même en safari en Afrique, plutôt style vieille France. Bourrel, ça te rappelle quelque chose? Les cinq dernières minutes. Allez. Dada. Voilà. Et ben voilà, tu y es, c'est tout juste. Simplement un petit peu plus dynamique. Il y a Resnick aussi. Ah, Resnick. Charlie? Resnick, soi-même. Mais sans Bud, hein, ni Pepper, Dizzy ou Miles. Hein. Et puis ce n'est pas au buffet que tu le rencontreras, il mange que des sandwichs. Enfin, de toute façon, Resnick, Holmes, Marple, tout ça. Wimsey, Lord Wimsey, s'il te plaît. Au fond, au Bellona Club ou au Langham Hotel, ils sont chez eux. C'est finalement un peu leur conférence, non? Lord Wimsey, c'est au bar, lui, que tu le verras, d'ailleurs. Grand amateur de vin. Et n'essaie surtout pas de rivaliser avec lui, d'ailleurs. Ça fera du bien à ton foie, hein? Allez, à propos de boisson, je vais chercher le café. Café pour tout le monde, hein? Je vais à la machine. Allez, c'est ma tournée! Thank you.